1975, Richard Blass, un des criminels les plus recherchés au Canada, signe le plus odieux des crimes. Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. En 1975, Richard Blass est le criminel le plus célèbre au Québec. Il fait presque quotidiennement la manchette des journaux qui le surnomment le chat parce qu'il semble avoir 9 vies. Il a survécu à plusieurs attentats et s'est évadé de prison à 3 reprises de manière spectaculaire. Tout au long de sa carrière criminelle, il joue au chat et à la souris avec les policiers, dont un en particulier, Albert Lisacek de la Sûreté du Québec. Ce policier, qui a la réputation d'être parmi les plus durs au Canada, est prêt à tout pour l'arrêter. Fin janvier 1975, Richard Blass bascule dans l'horreur. C'est le massacre du Gargantua. January 1, 1975, 1 h du matin, rue Beaubien à Montréal. Il fait froid. Le bar Gargantua est en flammes. Montréal est témoin du règlement de compte le plus crapuleux de son histoire. C'est terrible, c'est une horreur. Le lieutenant Maurice Labarre du service des incendies de Montréal découvre 13 cadavres enfermés dans une pièce minuscule. Les gens veulent venir la mort, là. Mais impossible de se libérer d'aucune façon, il était trop serré. Il y avait des caisses de liqueur en bois vides, là, qui auraient pu être utilisées pour défoncer la paroi. Mais c'était impossible, ça ne passait pas. Il était trop serré, il n'y avait pas de liberté de mouvement. L'agonie des témoins innocents a peut-être duré une demi-heure. Le Gargantua est le repère de Richard Blass. Pour la police, le massacre est signé. Celui qu'on appelle le chat a encore frappé. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de vol de banque, de hold-up ou de règlement de compte entre criminels. Son avidité pour la publicité l'a amené vers un massacre tout à fait gratuit. Montréal est témoin du règlement de compte le plus crapuleux de son histoire. Crapuleux de son histoire. Richard Blass est né dans le quartier Villeray à Montréal. Il est le cadet de la famille. Son père, lui, a déserté le foyer quand Richard était enfant. Richard Blass est un dur, le petit chef de la famille. À l'adolescence, il est envoyé à l'école de réforme. Les premiers contacts que j'ai eus avec lui, puis je me rappelle après ça, parce que j'ai eu affaire à lui, il était détenu au Mont... Il avait été placé au Mont-Saint-Antoine. Et c'était un gars qui... il était très rancunier, pardonna pas facilement. Puis je n'ai pas été surpris qu'à un moment donné, quand il a décidé de s'embarquer contre des gangs, là, il ne faisait pas le poids. Mais avec le caractère qu'il avait, là, c'était le personnage qui n'hésitait pas, il ne reculait pas devant personne. Dans des cahiers, Blass collectionne les photos de ses héros. Al Capone, Bonnie Parker, Clyde Barrow, Monica Lamitraille. Tous bandits de haut vol. Blass rêve de les égaler et même de les dépasser. Entre 1965 et 1975, Blass est condamné pour 23 crimes différents, surtout des vols, de plus en plus violents. Mais d'abord, c'était pas un gars des plus brillants, là. Faut pas se leurrer. Ça se compare pas à Jacques Mesrine puis certaines personnes, Georges Lemay et compagnie. Là. C'était un gars de terrain, c'était un gars qui jouait à ça. Et c'était un gars qui a fait sa marque dans certains domaines. Mais Blass en a assez de partager les profits de ses hold-up avec les Italiens qui contrôlent le centre de la ville. Il déclare la guerre à la mafia. Il tente même d'assassiner Franck Cotroni, le fils du parrain montréalais. Un acte totalement insensé. La mafia, là, c'était gros dans les années. Puis comme aujourd'hui, là, c'était pas les gangs de rue, c'était pas clubs et motards. C'était les Québécois, puis t'avais les Italiens. Et c'était très gros. Hein. La mafia était très, très, très puissante sur le terrain. Puis lui a dit, moi, pas vrai qu'on va travailler, puis on va donner notre cote au WAPS. Ça, c'était son expression. Je veux rien savoir de ça, moi. Il dit, moi, tu touches pas nos affaires. Puis quand Alors s'est fait tuer, cela, c'était une guerre ouverte entre les Italiens et la gang de Blass.
1968. En quelques mois, Blas survit à 4 attentats de la mafia et essaie d'abord de le brûler vif pendant son sommeil dans un hôtel de banlieue. Plusieurs morts, mais pas lui. Des tueurs ouvrent le feu sur lui en plein jour, sur la rue Saint-Hubert. Il leur échappe. Mais finalement, dans un traquenard bien monté, les tireurs italiens réussissent à lui loger 4 balles dans la tête. Ses agresseurs sont arrêtés. En cours, il fait mine de ne pas les reconnaître. Il donne un bon spectacle. Il est enfin une vedette avec l'attention médiatique dont il rêvait. Après la pause, un des policiers les plus redoutés au Canada traque le chat. À 23 ans, Richard Blas est déjà un criminel extrêmement violent. On le soupçonne de plusieurs meurtres, dont certains gratuits. Durant ses fréquents séjours en prison, il entretient pourtant une correspondance étonnante avec sa mère. Dans ses lettres, il redevient son petit garçon. D'abord, il adorait sa mère. Moi, il m'avait dit une fois que l'autre, oublie jamais une chose. La seule femme qui te laisse pas tomber, c'est ta mère. Vous savez, j'ai cru un instant qu'une épouse ou encore une amie qui nous est chère pouvait remplacer une mère. Mais avec le temps, j'ai compris que je m'étais trompé et je m'en excuse d'avoir cru une telle chose. Avec une femme, il y a toujours des hauts et des bas, mais avec une mère, c'est bien différent. D'ici peu, la seule femme que je vais accepter à la visite, c'est ma vieille. Je suis tanné d'argumenter et vous savez, c'est drôlement fait une femme. Votre tout petit qui ne vous oublie pas et qui vous aime très fort. À bientôt, maman chérie. Mais Richard Blas ne mêle pas les sentiments et les affaires. Début 69, il attaque une banque à Sherbrooke. Mais l'affaire tourne mal pour lui. Arrêté, il est envoyé à la prison de Bordeaux en attendant son procès. Le 16 octobre, Blas s'évade avec 7 co-détenus. Sa première évasion est spectaculaire. Son arrestation, 2 jours plus tard, rue Fabre, est tout aussi spectaculaire. On voyait là, là, la rue Fabre, là, par rapport à ça, quand tu regardes la façon, parce que moi, j'étais là, cet après-midi-là, là, quand ils l'ont pincé, là, ça avait l'air de Police Academy numéro 8. C'est une valeur comme un autre. Il était plus, plus excité, il aimait ça faire des faces, il aimait ça rire, puis il voulait être le héros. Albert Lisacek devient l'ennemi juré de Richard Blas. Les deux hommes se croisent quand le sergent détective Lisacek de la SQ doit escorter Blas à Sherbrooke pour qu'il subisse son procès. Lisacek est toujours armé de sa mitraillette, modèle 1927, la mitraillette des célèbres bandits de Chicago. Il est connu à travers le Canada. On l'appelle le Kojak québécois. Lisacek ne se laisse pas impressionner par un petit truand comme Blas. Une autre fois, j'ai transféré Blas avec deux de ses chums d'un char avec mon partner. Puis il riait, il dit, Lisacek, une bonne journée, mes chums vont nous bloquer la route puis ils vont aider me sauver. J'ai pogné mon pistolet, je me virais de bord puis je l'ai mis en dessous de son nez. J'ai dit, Richard, première chose, si on se fait attaquer, je te flamme la tête, après ça, je vais me défendre. Là, après ça, il riait plus. Il riait plus, là, il m'aimait plus pantoute. L'incursion de Richard Blas à Sherbrooke ne sera pas une bonne affaire pour lui. Le procès ne se déroule pas comme prévu. Frank Chouffi, jeune avocat avide de publicité, représente Richard Blas. L'affaire aura des conséquences dramatiques. Et là, il y a eu un deal, de fait, entre la Couronne et Chouffi. Parce qu'il voulait y mettre l'accusation de criminel d'habitude.
Puis il a dit, je vais plaider coupable, condition qu'il n'y aura pas d'accusation de criminel d'habitude. Alors le deal a été fait et le juge était au courant du deal. Mais le juge meurt subitement. L'accord tombe à l'eau. Blas a plaidé coupable et risque maintenant la prison à vie comme criminel d'habitude. Il se sent trahi par la justice. Indigné, il est prêt à tout. Il n'a plus rien à perdre. Quelques mois plus tard, le Québec est plongé en pleine crise d'octobre. James Cross et Pierre Laporte ont été enlevés par le Front de libération du Québec. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Blas entend profiter de la situation. Il propose au directeur du pénitencier de prendre en otage d'autres FLQistes emprisonnés avec lui. Son plan, les tuer si le FLQ ne libère pas Cross et Laporte. Frank Shufi est convoqué en pleine nuit par le directeur du pénitencier. And what he wanted to do, he wanted me to go see Jérôme Chiquette. And he wanted to kidnap members of the FLQ that were detained inside and telling them that if they don't release Cross and Laporte, that he'd kill them. Lisa Tchèque ne croit pas aux intentions vertueuses de Blas. Il voulait se faire lâcher de la prison pour sortir, pour chercher pour des roses, puis tout ça, là, puis enlever du monde, puis tout. Chris, on n'est pas stupide de faire ça, hein? Non, oui. On a toujours du mal à comprendre l'étrange collaboration du directeur de la prison. Quoi qu'il en soit, le plan échafaudé par Richard Blas ne se réalisera pas. Il devra rester en prison jusqu'à sa prochaine évasion. Albert Lisacek multiplie les actions d'éclat. C'est lui qui, le premier, pénètre dans la maison de la rue Armstrong à Saint-Hubert, là où Pierre Laporte a été tenu captif. C'est aussi lui qui arrête les FLQistes Jacques Rose et Francis Simard, dissimulés sous la fournaise d'une maison à Saint-Luc. Lisacek n'aura pas eu besoin de Blas pour faire son travail. Après la pause, la fin de Richard Blas. Le 23 octobre 1974, le jour de son anniversaire, Blas reçoit au pénitencier la visite de son fils, Yves. Le garçon ignore qu'une des femmes qui l'accompagne, Jocelyne Derèche, la maîtresse du célèbre bandit Jacques Mesrine, cache trois revolvers qu'elle va fournir aux prisonniers qui prennent des otages et s'enfuient. Ainsi commence la dernière cavale du chat. Cette fois, Blas n'a pas l'intention de se faire reprendre. Il a des comptes à régler, avec la justice d'abord. Il écrit au solliciteur général par l'intermédiaire de son avocat, Frank Shufi. Je pensais que c'était mon devoir comme citoyen de faire parvenir le contenu de cette lettre à Warren Altman. Alors, une heure moins cinq, M. Altman a téléphoné ici. Je lui ai lu cette lettre ici. Je lui ai demandé s'il donnera permission au journaliste de visiter celle bloquée. Il dit qu'il décidera ça avec les autorités du pénitencier et il va me donner sa réponse ce semaine. Blas exige que l'on autorise les journalistes à visiter l'unité spéciale de correction pour dénoncer les conditions de détention. Sinon, il tuera des victimes innocentes. We have to believe it. We can't put aside a letter like that and saying let's forget about it, because it could be serious. The threat is what precisely? It'd be too late after to say, well, we should have taken him. The threat is if Mr. Allman does not permit the newspapermen to go to visit cell block one and change the conditions of detention, him and Roussel are going to become killers. La direction accepte de. Contre toute attente, Warren Allman cède aux exigences de Blas. Entre-temps, le chat continue de soigner son image. À la radio, dans les journaux et dans la rue, on semble vouer une curieuse admiration à l'ennemi public numéro un. Mais Blas n'est pas satisfait.
Il récrit au ministre pour avertir qu'il mettra sa menace à exécution. Et là, il est devenu extrêmement dangereux, fou. Fou dangereux. Là, il est devenu une bête. Et là, il était dangereux. Très dangereux. Puis même, je peux te dire que je peux en parler aujourd'hui parce qu'il y en a, il y en a deux qui sont morts. Il y a des gens qui m'avaient raconté « Approche-toi pas parce qu'il n'y a plus de contrôle. » Puis même ses propres affaires n'avaient eu peur. Le 21 janvier, Blas, accompagné de Fernand Baudet, commet l'irréparable. Puisque les conditions de détention n'ont pas changé, il pose un acte insensé. Vers minuit, il entre au bar Gargantua, tue le tenancier et liquide 12 clients innocents. Il les enferme dans un réduit et y met le feu. La porte est cadenassée, le jukebox placé devant. Puis le feu est mis. L'agonie des témoins innocents a peut-être duré une demi-heure. Les pompiers retrouveront les 13 cadavres calcinés. Il n'y avait pas d'affaire enfermée de la monde-là, puis brûlée. Il aurait pu les laisser aller. Mais il voulait faire quelque chose de fantastique. Tu sais? Mais... J'ai mis le pied comme sur un rouleau de tapis, un morceau de... Là, la fumée, en tout temps se dissipant, il y avait le pompier d'Auzois qui était à mes côtés. Il dit, lieutenant, c'est pas un tapis, il dit, c'est un cadavre. Oh. On a libéré le couloir, on a enlevé le restant de la porte, qui restait le bas de la porte, pour découvrir le cadavre qui était en train de piler, de recroiser. Les policiers en ont assez. L'escouade de filature de la police de Montréal surveille tous les amis de Blas. Trois jours plus tard, il est retracé dans un chalet de Val-David. La filature laisse place à une escouade mixte de la SQ et de la police de Montréal, qui porte bien son nom, la Frappe. Là, ils ont suivi, puis jusque là-bas. Puis après ça, à 1h30 le matin, ils sont venus me chercher pour aller pour la Frappe. Puis on a monté là-bas, puis on a cerné la place, puis on est rentré, puis ça finit là. Il a pogné une arme à feu, puis il se fait descendre. C'est la fin du long duel entre Lisa Tchèque et Blas. Le corps du chat est transpercé de 27 balles. Pour les témoins de l'époque, l'opération soulève bien des questions. Let's be honest and say it. Let's say where the man is dangerous, we wanted to shoot him. But to tell us that he had a gun in his hand, and the gun dropped, and they had to shoot 27 bullets, let's face it, the man was left-handed, Richard Blas, and he had the gun in his right hand. C'est sûr que lui, je suis sûr que... Écoute, on l'a vu, ces images, tantôt, ça lui forme, il est assarné. Il est assarné dans le chalet à Val-David, il savait qu'il n'y avait pas de temps de sortir. Puis c'était un gars qui aimait tellement la publicité, puis tellement l'exposure, il aurait été heureux de pouvoir faire une déclaration puis servir des médias. But what surprises me is that he had the gun come... in his hands, completely wrapped in his hand, in his right hand, and we find no fingerprints. Messrine ou Mérine, place de Clignancourt à Paris, ils ont fait son procès dans la rue. Dans mon livre à moi, Blas, ils ont fait son procès dans le chalet. Maudit, si un gars prend une arme à feu, il a l'intention de tirer, t'es mieux de descendre avant qu'il tire. C'est ça. Il t'a pas assassiné. C'était pas une meurtre, rien. C'était... un corps défendant. Nous n'étions que des enfants, nous n'avions que 5 ou 6 ans. On jouait au même jeu, c'était le plus fort des deux. Bang, bang. C'est une vie finie. Moi, j'ai pitié pour la mère. N'importe quand un bandit se fait tuer, c'est sa mère qui va souffrir. C'est ça. J'ai pitié pour eux autres, pour la famille. Pas pour le bandit, mais pour la famille. C'était lui le plus fort des deux. Bang, bang, il me tirait. Bang, bang, il me blessait. Bang, bang.
la mère de Richard Blass, le seul amour de sa vie, se suicide quelques années plus tard. Faute de preuves, Richard Blass n'a jamais été accusé pour la vingtaine de meurtres qu'on le soupçonne d'avoir commis. Mais il a payé le prix ultime de sa vie, la folie meurtrière du Gargantua. Sa mort a marqué le commencement de la fin de la grande époque des braqueurs de banque montréalais, dont il était et demeure l'un des plus illustres représentants. Ça m'a soulagé de voir qu'il frappait de mal à personne. J'étais pas content de son sort, mais seulement qu'il frappait de tort à personne. Quand je faisais une descente, de foncer une porte ou quelque chose, il y a un gars qui peut être en arrière de la porte avec un 12, m'a tiré. Je me disais une prière, puis je disais, bon, mais si c'est ma dernière journée, ça va être ma dernière journée, mais bingo.